Alexis Allégué, j'ai 24 ans, Camerounais. J'ai commencé à Boulogne, à Paris. Et après, j'ai intégré le centre de formation du FC Nantes, où j'ai passé 10 ans. J'ai été prêté 6 mois à Tours. Et après, je suis parti à Rodez en Ligue 2. Franchement, au début, c'est vrai que j'avais pas trop envie de venir, comme toute la plupart des joueurs. Mais à ma grande surprise, c'est un stage qui fait énormément de bien, parce que c'est bien de s'entraîner avec les préparateurs physiques, rester à la maison, s'entraîner tout seul. Mais il n'y a rien de mieux que le contact avec les joueurs. C'est comme si on était dans un club, il n'y a rien qui change, on s'occupe bien de nous, on est bien. Franchement, c'est une très belle aventure et je suis très heureux d'être ici. Ça me fait le plus grand bien et ça me donne espoir que bientôt je retrouverai un club et voilà, je fais ce que j'aime au quotidien, je m'entraîne tous les matins, je prends du plaisir et c'est le plus important. En plus, on fait, la plupart du temps, on fait des jeux, on touche le ballon. Il n'y a rien de mieux pour un footballeur de toucher le ballon et voilà, ouais, on prend du plaisir parce que les séances sont des séances de qualité. Et voilà, comme je l'ai dit, on s'entraîne comme un club normal et voilà, on prend du plaisir et c'est le plus important. Et ça se passe plutôt bien parce qu'on est un peu, on va dire, dans le même bateau, ouais, comme vous avez dit. Et voilà, on essaye d'oublier ça et de prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'il y a un état d'esprit irréprochable. Les mecs sont super cool et il y a une très bonne ambiance. Moi, je recherche un projet où je vais m'épanouir, un club qui va me faire confiance, où je vais prendre du plaisir. Parce que c'est ça, c'est ma vie, c'est ça, c'est le football et taper dans un ballon, c'est ce qu'il y a de mieux dans ma vie parce que j'ai pas encore d'enfant et c'est ce que j'ai de meilleur dans ma vie et trouver un club qui va me faire confiance, où je peux pouvoir m'exprimer, c'est ce que je recherche, jouer et voilà, parce que c'est ce que j'aime le plus.